Toxic fluid intake immediately. Ah, faut que je boive. Ok. Et lui les gens, bienvenue sur frappestage.fr ou sur mon blog 103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Subnautica. Et je suis prêt à parier qu'en fait, j'ai pas mis la bonne ardoise. Mais oui, forcément. Ça fait 1h10 qu'on a lancé le live et autres. On est encore sur Cooking Simulator là. Subnautica. Tu es où? Là. Là voilà l'ardoise, la bonne, la vraie. Subnautica, donc sur PC, et en fait, il faudrait que je la corrige, puisque ce jeu m'a été offert par quelqu'un. Je pensais l'avoir eu via un Humble Bundle, mais en fait, c'est Olivier Bourquin qui m'a offert ce jeu, Subnautica, et je l'ai vu seulement en fouillant dans mes archives, et je me suis dit, non mais attends, c'est vrai, Olivier me l'avait offert. Alors attends, j'ai soif, mais j'ai rien pour boire. Alors ça, je crois que c'était pourquoi. Ah. Ah bah c'est gentil ça. Non, pas les construire. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functioning. Mais tout se mélange. All right, tell Becky I'll just take the regular. Yeah, she'll know what I mean. The code should be... And if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese! Okay. Peut-être pour ça, il fait nuit. J'ai plus de batterie. Hein? Mais c'est quoi tous ces trucs? Jambon fromage. Qu'est-ce qu'ils me sortent? Qu'est-ce qui me sort? Je vais mourir de soif. On va essayer de chercher des pochons. Oh, merci, Raphaël. C'est vrai, les Controx? Quelque chose qui t'a rendu curieux? Dis-moi tout. Le pire, c'est que quelqu'un... Parmi vous, alors je sais pas s'il est connecté là ou pas, à cette photo normalement. La photo de la robe, parce que je pense que c'est ça, non. Le chargeur de batterie, non, dildo. Alors je précise encore une fois, vu que vous, ça fait un petit moment qu'on n'a pas rejoué au jeu, je découvre. C'est-à-dire que c'est ma première partie sur le jeu aussi loin en fait. Donc, par contre, il est crépitement, c'est pas très agréable. Donne la photo. Non, c'est pas tartine. Parce qu'en fait, l'histoire complète, c'est que un jour, on a... J'ai crevé. Attends, est-ce que par hasard, j'ai rien sur moi qui permet de récupérer de l'eau? Bah non, j'ai rien sur moi. Est-ce que j'ai de quoi récupérer de la vie? Non plus. Donc je vais crever ici, encore une fois. Mais viens! Ouais, je vais crever, j'aurai même pas le temps d'attendre mon vaisseau. Zut! Arrête, je suis à 40 mètres, c'est pas juste! C'est tellement pas juste! Vers la loose et au-delà. Ouais, par contre, c'était pas vraiment une robe extrêmement détaillée, hein. C'était un truc... Mais effectivement, oui, à la base, l'histoire, c'est qu'on a raconté... Quelqu'un a raconté qu'il existait une photo de robe de moi. Enfin, une photo de moi en robe, plutôt. Et du coup, bah, en fait, on a pris cette photo, on l'a créée à partir de l'histoire qu'on avait racontée. Donc, c'est un peu de la triche, mais voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Mais dégueulasse, hein. Vraiment. Elle a été prise n'importe comment, je suis 1m99, j'ai emprunté la robe d'une amie, donc forcément... mon alerte red bug, Nemesis. Ah bon? Possible? Attends, je vais réactualiser, mais là, il n'y a pas eu de raid depuis... Ça me dit qu'il n'y a pas eu de raid depuis un petit moment. Avec la Javel, ouais, mais j'ai pas de Javel. Bon ben voilà. Une mort supplémentaire, fail 4, merci Mirage, nous pouvons toujours compter sur toi. Et je réapparais ici.
Sérieux. Vous me faites ce coup-là, et j'ai faim, et il y a des trucs qui passent très mal à ma base, et je suis triste. Attends, par contre, est-ce qu'ils m'ont laissé mais ouais, ils me les ont laissés. Donc au pire, je peux essayer de me faire une ou deux bouteilles avec ça. Hors tension. On attend qu'il y ait l'énergie qui se remette, c'est ça? Faut que je mette un truc pour charger les piles. Mais je sais pas comment ça se fait. Y'a pas des bernacles par ici. Si j'en vois pas, c'est qu'il n'y en a pas. Allez hop, taillot. Bah, j'aime bien planter un arbre à fruits. Les arbres qui rapportent de l'eau là. Ah non, mais il n'y avait aucun mal avec ça, hein, pour le coup. Bon. Réfléchissons. On va faire quoi? On va aller où? Je crois que je vais commencer à explorer un truc par là. Et je m'étais arrêté. Voilà, là, ici on était rentré par là. Ils disent qu'il faut que je scanne, non? Non. Ah mais j'ai plus d'énergie. Tout ce qu'il y avait par là? Ah, fragment de chargeur de piles, parfait ça. Que puisse recharger un petit peu toutes les piles que j'ai parce que là, c'est pas joyeux. On va ressortir. Je vois rien. La radio. Et je peux pas ouvrir ces portes pour l'instant, donc comme ça c'est réglé. On se calme, chérie. Y a rien par là, c'est bon? Que je monte à... Me dis pas que je vais rester coincé ici. Faut que je remonte à la surface et vite. Oui, j'ai compris. Faut que je remonte à la surface. C'est bon. Diplôme. Arrête. Ça passe pas par là. Ah non, on va pas mourir deux fois dans une vidéo quand même, ce serait la honte. C'est le meuf et l'arc. Joli. Belle interprétation. Les bruits sont tourbillonnants, tu trouves? Toujours. Alors par contre, le son qui bug quand on est en surface. Non, mais il faudrait que je puisse les faire, les arbres. J'étais parti en chercher il y a longtemps, mais bon. Ah oui, Rotten. Mais Rotten n'existe plus, de toute façon. C'est quand on était ado, ça c'est vieux maintenant. Quand on était ado, effectivement, il y avait du Rotten comme site. Et il y avait plein de photos de cadavres dégueulasses dessus. Mais des vraies photos pour la quasi-totalité, je crois. Et c'était vraiment pas très joli à voir, en fait. Faudrait que je trouve des trucs qui ont de l'eau à l'intérieur. Ou un deuxième morceau de... chargeur de piles, ce serait très très utile, ça. Normalement, comme il fait jour dans ma base, il devrait y avoir de l'oxygène. Pas l'oxygène. Si, de l'oxygène et d'autres trucs. Mmh.
Y'a rien, on ressort par ici, on va aller voir par là. C'est débris. J'ai dit qu'on se calmait, chérie, non mais oh. Et l'iPhone, comme un antivirus de mes les rediffusions. Tu peux tout rattraper avec les rediffs, c'est bon. Je sais que je cherche des choses, un peu n'importe comment. Mais apparemment, il y en a dans le coin, quand même, des éléments à récupérer. Puisque j'ai encore une fois très peu d'oxygène. Vivement que j'améliore. 30 secondes. J'ai faim. Il me reste du tacos. Des tacos. On a trouvé un truc à pile. Par contre, c'est chaud de réussir à trouver les objets régulièrement. Je sais pas, ça va dépendre de la facilité que j'ai à rester sur celui-ci, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'ambiance du jeu me plaît beaucoup, mais elle me calme. S'il n'y a pas un truc qui vient me balancer un pic d'adrénaline, on va dire, je m'ennuie un petit peu au bout d'un moment sur ce jeu-là. Donc c'est pour ça que j'y reste pas des heures non plus dessus pour garder le plaisir du jeu, on va dire. On peut pas en prendre des poissons, il me semble, ces trucs-là. C'est juste des bancs de poissons, on peut rien en faire. Ok, bon, je vais retourner vers la base. Là-bas, dans les profondeurs, il y a une capsule de survie à 300 mètres de profondeur. Je suis pas sûr d'avoir assez pour survivre. Il me faudrait de toute manière une pile pour pouvoir accélérer et remonter assez rapidement à la surface. Parce que 300, on doit perdre l'oxygène à une vitesse assez folle. On va retourner là-bas, voir si on a récupéré assez de... On a 11,75. On a 11,75, c'est pas énorme, 11,75. Faut croire que cette salle bouffe énormément de ressources. Et vous voyez, on voit que la base est là. Et qu'il y a plein de trucs à observer. Parce que normalement, c'est tous les plans qui sont là. Donc on voit qu'il y a encore plein de plans à récupérer. Mais j'arrive pas à savoir... où est-ce qu'ils traînent exactement. Il n'y a pas moyen d'enregistrer ça autrement? Est-ce que sinon la caméra de contrôle repère des choses? Ah oui! Ah oui! À l'intérieur de ce truc, apparemment beaucoup. Bon, avant de faire ça, je vais peut-être essayer de construire est-ce que je peux déjà en construire un? Ça c'est quoi? Centrale thermique, pompe à air murale. Je vais faire un deuxième, parce que j'ai l'impression de ne plus avoir assez de place pour... Si j'ai plus assez de ressources. Et au moins ça devrait permettre d'augmenter plus vite, voilà, 25, 26... Voilà, histoire que quand il fera nuit, on sera un peu plus tranquille à ce niveau-là. Amélioration de salle de scanner, etc. Ok, donc là au moins les ressources continuent à monter. 150 puissance, ok. Du dépôt de sel et du corail. Oh, ça devrait aller alors. Sinon tu vas faire que mourir. Par contre, Raphaël, insiste pas trop. Au bout d'un moment, je t'ai déjà dit non plusieurs fois pour Batman. Salut Valstraza, comment vas-tu? Je veux dire, en général, plus on insiste et moins j'ai envie après, donc... Coucou Urtica, t'as décidé de faire un raid et ça a pas marché? Pourquoi ça marche pas, là, les annonces? Quelle est cette arnaque? Attends. Parce que là, ça m'affiche pas les raids. Dis-moi tout.
Ah oui. Donc Blue Bead. Urtica lance un raid sur Tiffin avec deux personnes. Merci Urtica. D'ailleurs j'aurais dû te remercier directement, mais je sais pas pourquoi, je voulais voir l'information. Par contre, je comprends pas pourquoi ça l'a pas affiché ici. Est-ce que si je retourne sur le... J'ai l'impression qu'il y a pas mal de plateformes qui déconnent en ce moment. En termes d'alerte, en termes d'affichage, en termes de réglage. C'est assez bancal. Pourtant les raids sont affichés. Ouais non, c'est juste que Tipeee Stream n'arrive pas à voir le raid apparemment. Bizarre. Ma foi, très bizarre. Bon bah faut attendre qu'ils réagissent. Ouais non mais c'est la plateforme qui doit bugger. Complètement parce que depuis quelques jours effectivement on avait un problème, rappelez-vous aussi avec les alertes qui fonctionnaient mal. Même celle de follow, hein, elle s'affichait pas correctement. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site. J'aimerais pas te voir tout de suite, toi. Protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to date. Donc alimentation. Calorie intake recommended. On va se prendre deux trucs d'eau déjà pour commencer. Et ensuite c'est nourriture cuite. Non, javel. Eau désinfectée, il faut de la javel. Pour faire de la javel. Donc ça c'est du benzène et des fibres synthétiques. Javel, il faut donc dépôt de sel, échantillon de corail tubulaire. On va essayer de faire des bouteilles d'eau vite fait. On va essayer aussi d'aller chercher à bouffer, parce que je vois que je suis en train de crever de faim. Youhou ! Est-ce que je peux récupérer ailleurs d'autres poissons à manger? Toi là, je te vois, toi. Hop là, toi c'est récupéré. Histoire que je mange un peu. L'eau, on est ok. En même temps, on regarde si on peut pas trouver des coraux, comme nous montrer, ou des trucs de sel. Là par exemple, il y a un truc de sel. Je me demande si c'est pas ça le corail. Non, ça c'est coquille corallien. Donc c'est pas ça que je cherche. On a dit que nous c'est tubulaire. Ce qu'on cherchait. Ah mais je vais déjà essayer de les attaquer ceux-là. Est-ce que c'est pas ça qu'il me faut? Je sais même pas si j'en récupère. Toi tu vas venir avec moi. Mais non mais tu l'as tué. Ah non c'est bon. Hop là on va vite se refaire à bouffer. Sinon ça va mal se passer encore une fois. Je pense que ça se passe mal. Voilà, à la bouffe chérie. Boomerang cuit. C'est parti. C'est Docteur Papy, comment vas-tu? On sait que c'est pas docteur, mais on va t'appeler comme ça pour l'instant. Ici bas, bah ça roule écoute. Et toi? Donc du coup, si vous voyez que les alertes ne s'activent pas, n'hésitez pas à le dire quand même. Si vous faites quelque chose et qu'une alerte n'est pas activée. C'est ça, pour manger. Vital signs stabilizing. Ben voilà, on est mieux déjà, là. Bon, on a dit javel. Dépôt de sel. On va faire tout noir. Je peux récupérer de la boue, ce serait pas mal. C'est pas du sel, ça aussi? Quartz. Arrête de te barrer, je peux t'attraper. Je peux t'attraper, je le sais que je peux t'attraper. Viens là. Viens là, je t'ai vu, c'est bon. On regardera ce que c'est que ce poisson après. Attention qu'ils se font encore bouffer.
Est-ce que eux ils voyagent que de nuit? Parce que je me souviens pas les avoir vus avant. Ou pas les avoir attrapés. Ah si. Poisson avec un œil dessus, je crois qu'on connaît en fait. C'est bon. Coucou Siro, comment vas-tu? T'avais une base sans électricité. On a juste posé un truc de... Je sais plus où est-ce qu'on était quand t'étais encore là. En fait, j'ai pas avancé tant que ça, parce que je crois qu'on a fait 6 rediff max, un truc dans le genre. Et viens là. Viens là, viens là, viens là. Je crois qu'il faudrait que je rajoute un... Qu'on appelle ça? Un code dans les commandes. Au pire, je fais ça entre deux rediffs. J'ai rajouté un code point d'exclamation best of, un truc comme ça, histoire que ça vous envoie la playlist avec les best of de Cald. Toi, ça sert à rien. Ça va récupérer. Ça va ramasser. Pardon. Ça permet de récupérer du métal, j'y arrivais. 30 secondes. Ah! D'oxygène. À peu près la même distance de la base que de la surface. Bon appétit! Oh bah c'est cool si ça va. Pas trop chaud en ce moment. Salut The Gamer Test. Merci The Gamer Test. Encore une fois, faut féliciter Cal, hein, c'est lui qui l'a fait. Moi, je n'y suis pour rien. Donc on sait qu'il y a plein de trucs à récupérer ici. Ah mais je l'ai bouffé comme ça. Oh, quelle quiche. Quelle quiche. Comment on perd de l'eau en plus. Hors tension. Et il y a déjà plus de courant. À bientôt basculer dans le noir. Sans oxygène. Non. Ma base est trop grande. Il n'y a pas assez d'électricité stockée dans la journée. Bon, s'il n'y a pas assez d'électricité stockée dans la journée, qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Il nous faut 2 titanes, 2 quartz, minerai de cuivre. Est-ce que j'ai encore ça quelque part? Titane, on l'a déjà. 2 quartz, ça c'est quoi? Diamant. J'ai un diamant, quoi. Quartz. Et on dirait ça, j'ai de l'or, mais j'ai pas de minerai de cuivre, je crois. Chaque fois je me trompe de touche. Or, effectivement, j'ai pas de minerai de cuivre. J'ai des batteries vides aussi, ce truc qui va vachement servir. C'est bon, je sors. Effectivement, chanceux. Oxygène, c'est vrai. Mais la dernière fois qu'on avait fait du submultica, j'avais décalé la webcam de l'autre côté. Mais vous savez quoi? J'ai la flemme. Comme ça, vous pouvez stresser et ne pas savoir où est-ce que j'en suis. Ah là 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 là. Faut que je trouve des trucs coralliens. Là j'en ai pas. Et du truc de cuivre aussi. Mais vu que les ressources ne repopent pas, je crois que ça tente de parler baleine. Salut. J'espère que plus tard je pourrai te dégommer un coup de torpille. Ouh, y'a quoi par là? Lui m'embête au-dessus. Quoi que ça brille. Bravo, Iti! C'est quoi ça? Conclusion, ces plantes-là sont dangereuses. Ça, je sais pas ce que c'est. Je vais pas le taper.
cornet rouge. On a récupéré du cornet rouge. Qu'est-ce que ça fait le cornet rouge? Graine de... Non, on... je sais pas ce que ça apporte. Berceau rouge, ça apporte quoi? Je sais pas non plus. On va se tirer, parce que j'ai manqué d'oxygène sous peu. Ah, du plomb, zut, c'est pas ce que je voulais. C'est vrai? Bah en fait les batteries j'aimerais bien pouvoir les recharger, j'en ai besoin, c'est pour ça que je tourne en rond tout de suite et que je vais pas chercher trop loin à l'extérieur. J'essaye de pas trop m'éloigner de la base, j'essaie de récupérer des ressources pour pouvoir me faire des trucs un peu plus intéressants. Mais on sait que dans cette truc là il y a plein d'éléments à récupérer. Est-ce que je pourrais trouver du cuir éventuellement quelque part par là? Ah, là, il y a un truc, faites voir. Quelqu'un du cuivre, parfait. Celle. Est-ce qu'on a d'autres protubérances comme ça, éventuelles, qui pourraient nous rapporter des avantages? Je ne sais pas... Il faut que je trouve un deuxième chargeur de batterie. On va essayer d'explorer avec la machine. Tant qu'on a encore de l'oxygène et qu'on a à bouffer, tout ça. Tiens, toi, tu viens avec moi. Viens avec moi. Ça apporte rien, ça. Là. Minerai d'argent, c'est intéressant aussi, mais c'est pas ce que je cherchais tout de suite. Là, je vois deux petites plaques. Là, il y a quoi ici? Ah, découpeur laser, intéressant. Ah, j'ai déjà tout. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'outils, je pourrais faire le découpeur laser, alors. Comment ça, inventaire plein? Mais non, je suis pas d'accord. De l'or, mais zut. 30 seconds. Je serai plus vite à la surface en fait. Te donne soif. J'ai soif aussi moi, tiens. Oxygen. Et les eaux mortes, vous me faites peur. Ok, merci Samuel, Sam. A plus de gamer test, merci de ta visite. J'ai du mal à articuler, c'est terrible. Tu mets des fruits. Faut dire que ça pousse. Alors attendez, on va redescendre. J'ai pas vu le truc qui tournait au-dessus. Cette base qui ressemble à rien, c'est terrible. Allez hop, on rentre. On a 76, 150. À la base, j'avais fait ça pour... Attendez. Il me faut un deuxième diamant et une pile et du soufre de cave. Alors, je crois que le soufre de cave, je sais où je peux le trouver. La pile, est-ce qu'elle doit nécessairement être pleine? Je sais pas. Salut Alex. Alexissi Xixi 2006, je sais pas. Comment vas-tu? J'ai dû remonter le chat, moi j'en profite un peu. C'est bon, il n'y avait pas trop à remonter. Non mais je risque pas de rusher vu que j'y connais rien. Non, alors, par ici. Donc là, il y a un fragment. Fragment de quoi, je ne sais pas. Après, tout le reste a l'air d'être à l'intérieur ici. Mais je crois qu'il me faudrait le découpeur laser. Et pour l'instant, je n'ai qu'un seul diamant. Est-ce qu'il faudrait pas que je retourne très loin?
Non, regardez, de l'autre côté. Pas pratique pour se diriger, hein. Ah, quand même là, il a quand même l'air dans une salle. Je pense qu'il faudrait juste trouver un découpeur laser avant. Parce que là, il a vraiment l'air d'avoir... À mon avis, une fois que j'aurai réussi à visiter ça, je vais vachement avancer dans le jeu. Eh, c'est bon. Ça passe. Donc, il n'y a que celui-là que je pourrais récupérer pour l'instant. J'en vois aucun au niveau du sol qui serait récupérable facilement pour le moment. Là, ils sont tous au-dessus... Tous dans le coin. Mais zut. Ah, il me faut un découpeur laser. Donc il faut que je trouve un diamant. On va essayer de vous écouter, quoique. Je suis en train de demander s'il reste pas un fragment par ici. Il y a un fragment planqué à l'intérieur là. On va ramener ça à la base. Ok, tu t'en souviens du coup. Alors attendez, comment on fait pour les faire rentrer à la base? Chut, reste là toi. C'est là? Non, c'est peut-être pas ça. Si? Voilà, on va laisser comme ça. Donc ça, on a vu. On sait qu'il y a plein de trucs intéressants. Est-ce qu'on pourrait numériser autre chose? C'est comment que je choisis déjà? Non. Ah. Débris métalliques, dépôt de sel, fragments, minerai d'argent, quartz... Titane, plomb, or, morceau de schiste, morceau de grès. Créature épave. Et si je faisais ça? Mon dieu, mais ça m'a l'air bien vide. Ok, on est presque arrivé au maximum là-haut. Il faut que je dépose quelques petites affaires quand même. Ah, mais les inventaires sont pleins. Est-ce que je peux créer une armoire? C'est quoi ça? Chargeur de pile, ah oui, c'est vrai. Un aquarium! Ça pourrait être utile, ça aussi. Je sais pas trop ce qu'on peut mettre dedans. Bureau, banc... comme ça. Veuillez patienter. Nous sommes actuellement en train d'essayer de placer un meuble. C'est compliqué. Allez, on dépose ça, ça. Putain, ça prend de la place, ça aussi. Ouais, qui me gratte. J'ai dit qu'il fallait pas que je me gratte. T'as du diamant. Ouais, mais faut aller dans le biome, l'autre biome, si j'ai bien compris. Oui, il faudrait penser à faire un véhicule. Pour faire un véhicule, il faut de la matière. Des ressources. Chose importante. Minerai de cuivre, je vais le garder. Le quartz aussi, peut-être. Je crois qu'il me fallait deux quartz, non? J'ai un diamant. Au pire, le quartz et le cuivre, je vais laisser ici. Avec le plomb. Ça, c'est quoi? C'est le sel. Titane aussi, on va essayer de le laisser là. Et ça, je vais aller le poser ailleurs. Faut que je mange. Faut que je mange. Hop, hop, alimentation. Toc.
T'as qu'une bosse. Mais non, j'ai qu'une bosse. Je suis un dromadaire, voyons, pas un chameau. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y'a que ça. L'aquarium pour les petits poissons, donc ça pourrait être pratique en fait. Est-ce qu'ils se reproduisent dans l'aquarium? En fait, j'y pensais au nouveau panneau solaire, j'ai l'impression que ça a du mal à tenir. Hein. Mais on va voir, on va voir. Quoique ça va être loin sans ça. Je vais me refaire une pile, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il me faut une pile, il me faut une pile. On va pas tergiverser. Ok, donc ça c'est fait, ensuite. Donc là j'ai fait le plein, c'est bon. Il me faudra un autre minerai de cuivre. Est-ce que lui m'en repère d'autres? Des minerais de cuivre? Y'a que celui-là. Minerai de cuivre. Là tout seul, lui. On sait où il est au moins, c'est déjà ça. C'est bon, on est toujours dans les temps en termes de rediffusion, c'est parti. Je vais aller chercher mon morceau de cuivre. Bonne nuit, K2. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Merci d'être passé encore une fois. Repose-toi bien à nouveau et bonne suite de vacances en fait. Un chalumeau, c'est un dromalidaire à deux bosses. Mais c'est quoi cette façon de voir les choses? Non, j'ai pas encore fait la javel. Attends. Il m'a dit qu'il y avait du cuivre ici. On l'a suivi le cuivre, à la trace. Donc pourquoi il est plus là? Est-il possible qu'il ait roulé quelque part? Mais zut! Il y avait du cuivre! On m'a arnaqué là, c'est quoi ce travail? C'est quoi ça? Ça rapportera des sous, allez hop! Pas de titane. Sous l'océan. Ah mais si, faut que je me fasse de l'eau en urgence en fait. J'ai pas le choix là. On avait dit qu'il fallait quoi pour l'eau? Du machin de sel là. Et du truc de corail dégueulasse. On va essayer de se dépêcher pour ne pas mourir une nouvelle fois bêtement. Ce serait dommage. Ah, c'est bon, j'arrive. On va aller se faire de la javel. C'est un jeu de survie, oui, Raphaël. D'accord. Oui, je sais, j'ai vu que j'avais plus d'eau, merci. Il me faut du récif, enfin du corail, de machin chose. En même temps, je suis trop bête, j'avais dit que dans la base, on regarderait où est-ce qu'on a été au niveau des ressources. Ah, minerai de cuivre, parfait. Si à faire nuit, on va rien y voir.
ferai crever, hein. On est d'accord que je vais mourir. Ah, je les ai lâchés, quelle quiche. Le mec qui se surcharge avec la base, à la base de... Bonjour, je bouffe des vignes, j'ai soif, donnez-moi des vignes, on continue. Est-ce quelques minutes, je m'attends à avoir un message, genre votre personnage a la chiasse. A chopé une diarrhée d'enfer. En même temps, vous l'avez bien cherché. Heureusement que c'est stabilisé. Attends, l'oxygène. Attention, je vois rien là-dedans. Alors, je sais pas si vous y voyez mieux que moi, mais... moi, je vois rien. Merci. J'ai bouffé des vignes pour pouvoir réussir à vivre. Si c'est pas honteux, ça. Mais au moins... au moins, on récupère des choses intéressantes. On va pousser jusqu'à là-bas. Pire, comme ça, on va récupérer du bloom. Du bloom, du pochon. C'est pas du bloom, qu'est-ce que je raconte, moi. Viens là. Viens là, tu es à moi, voilà. Y a un truc qui brille par ici, c'est bien un pochon, ça. Oui. Bonjour le pochon. Oxygène. C'est bon, je suis survivant. Tout va bien, tout va bien. Ça rame toujours un peu quand je ressors de l'eau. Bon, toi, je t'aime pas, je m'en vais. Alors, on a combien là? On a récupéré 3 trucs comme ça, c'est bon. Je sais plus combien de javelins il faut pour faire de l'eau. En fait, il faudrait que j'aille dans chaque biome et que je balance une. Un truc de scan. Qu'après je le démonte. Et ainsi de suite. Oui, c'est bon, j'arrive, regarde. Hop! Je suis là. Alors. Déjà, est-ce que je peux faire la javel? Oui. Is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. Ça y est. Ça rapporte 2 eaux désinfectées. Oui, le sel se récupère assez rapidement, j'ai l'impression. C'est le moment de voir ce que ça rapporte. Attention, mesdames et messieurs. Vital signs stabilizing. Plus 30 en eau. Bon, on est large, du coup. Ça, c'est cuit. Ça, ça supprime de l'eau. Ok, d'accord. Il me reste une javel. Là, j'ai une pile qui sert à rien. Alors, c'est où déjà qu'il faut que je cherche les choses? Kit de survie, schéma, donc c'est pas ça que je cherche. Faune, flore, corail. Données aliens, données géologiques. Ouais, alors on la sent la fatigue, kit de survie. Non. Non. Corail. Non. Je vais voir est-ce que je peux trouver le diamant. C'est un choix qu'on avait déjà lu. Oh. Je me sens tellement à la ramasse.
C'est un peu illisible avec l'écran derrière. Plus jamais la même, c'est ça, oui. Du coup. Faudrait que je trouve le diamant. Donc le diamant, vous m'avez dit que c'était par là-bas. Si on l'avait déjà vidé, normalement il n'y a plus rien dedans, c'est ok. En même temps, mais rends-moi ma pile. Rends-moi ma pile, c'est ma mienne, voilà. On a assez d'eau pour le moment, donc on va faire un pochon cuit pour revenir. Et à la base, on était venu ici. Pour chercher du corail. Table de corail. On va prendre ça là-dedans. Et hop, on se tire. On rentre à la base, qui est par là. On va garder le corail dans le coin. Je me disais bien aussi que j'allais aussi vite que si j'étais que si nage normalement. Et oui, tout le monde n'a pas appris à lire le hiéroglyphe, ça peut être compliqué des fois. Et si je vous montre, c'est un message que je pouvais recevoir à une époque. Moins aujourd'hui, hein, mais on avait dépassé le stade du SMS, c'était assez impressionnant. Quand je pense que toi, t'étais pointé sur un morceau de cuivre qu'on ne retrouve pas, tu me déçois. Et ensuite, on va chercher du diamant. Je creuserai une pierre par là. Je suis bête, j'ai plus de place. La musique du jeu est jolie, ouais, il y a une très très bonne ambiance à ce niveau-là. Il y a une histoire. Il y a une histoire. En fait, on est dans un vaisseau qui s'est crashé, et apparemment il y a une histoire, il y a des aliens aussi. Donc quelqu'un qui devait venir nous chercher au départ, mais il y a un système alien qui a bousillé le vaisseau alors qu'il était en train d'arriver. Donc c'est un peu compliqué. Donc... le scanner, on s'en fout. Il faut que j'arrive à construire le découpeur laser. Donc on a une pile, c'est bon. Diamant x2 et soufre de cave. Soufre de cave, je crois que j'en ai encore quelque part. Je pense que j'ai assez d'eau pour faire l'aller-retour. Je vais mettre ça ici aussi. La pile, je vais la déplacer là. Minerai d'argent. Or, on essaiera de trier petit à petit hein, les ressources intéressantes ou pas. Non, j'ai 2 minerais de cuivre. Ah non. C'était de l'or. Quartz. Ok, bon. Il est temps de faire un voyage en enfer pour aller chercher ce qui nous manque. Et ce qui nous manque, c'est du diamant. Le diamant, on le retrouve, on l'a dit, dans le biome suivant. Donc je vais à l'opposé de ça. Et on va jusqu'au biome suivant. Faudrait, je pense, à couper la rediffusion aussi. Wow, tu m'as fait peur. Ce n'est pas ce qui me tombe dessus aussi rapidement. Minerai de cuivre, je prends, merci. Et je vois les petits commentaires qui pop sur les vidéos de Cal, ça fait plaisir, merci à vous. Ça c'est quoi ça? J'ai gagné quoi la capsule temporelle? Miniature de l'Aurora. Oh! Poster Keep Calm. Mais c'est vachement cool ça! J'aime bien. Alors il nous faut. J'ai l'impression de faire.
enfin n'importe quoi. Titane. Il faut que je trouve du diamant. Normalement c'est dans ce biome, ça c'est quoi? C'est des morceaux métalliques, fragments de bioreacteurs, bon on connaît déjà, mais ça rapportera toujours du titane. Auriez-vous du diamant s'il vous plaît? On va remonter à la surface, cette fois on va redescendre. Gamer test. Bah oui, Elkaz. Le vote a décidé que je vais partir sur Subnautica, donc je suis sur Subnautica. Et on redescend. Faudra vraiment que je me fasse un petit vaisseau, un petit sous-marin pour être moins embêté. Alors, cherchons. Il nous faut du diamant. Dans quoi se trouve le diamant? Lithium. Rubis. Lithium. Il me reste de la place là ou pas? Oui, on est large. Dégage. Là y'a rien, Alors ça pique apparemment. Ne pas se rapprocher de ce machin là, ok. T'aurais pas eu diamant s'il te plaît? Parce que là je veux des rubis. Les rubis c'est mignon et moi je veux du diamant. Diamant! Peut-être là-dedans. Argent, zut. Là-dedans. Titane. Rezut. Cuivre. Alors je crois qu'en plus il se trouve uniquement dans le grès, le diamant. Non? C'est vrai, Jeff Rose? Oh bah ça y est, c'est peut-être te rappeler des souvenirs. L'ambiance sonore est très très bonne. Ouais. On va faire une coupe de rediffusion vite fait. Voilà. Bon, comme je vous dis, hop, on met en pause le temps que je fasse la coupe de rediffusion. Donc j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. Faudrait que j'arrive à articuler. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappcjeux.fr. Et passez une agréable fin de journée. Et prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Du moins, à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. À tout de suite. J'ai trouvé des rubis. Oui. Ça y est, on les a. Rubis cube. Merci, Rappel. Allez, à tout de suite.